aujourd'hui, donc, on revient sur Tchouaméni. Tchouaméni qui ne serait plus désiré par le Real Madrid. Et la Casablanca, bah, qui envisagerait de le remplacer par qui? Bah, par le nouveau Ballon d'Or, par Rodri. J'en avais déjà fait une vidéo, souvenez-vous, donc c'est pas une info. Je ne surfe pas sur Rodri, hein, puisque j'en avais déjà parlé très récemment. Mais espagnol, milieu défensif très technique, Ballon d'Or, il coche désormais vraiment toutes les cases pour devenir le nouveau milieu de terrain du Real Madrid dans les prochaines années. Et on va voir tout ça, les amis. J'ai mis du temps. J'avoue que j'ai mis du temps. Je pense que j'ai... Il m'a fallu 3 jours et encore, je suis un petit peu dégoûté de ce qui arrive à Vinicius. Maintenant, voilà, il va falloir passer outre et avancer malheureusement. La presse espagnole qui parle du désastre qui est arrivé du côté de Valence en Espagne. Et d'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Parce que vous le savez, j'ai de la famille à Valence en Espagne. Certains s'en étaient souvenus, m'ont envoyé un message. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, donc c'est le principal. Mais merci à tous ceux qui ont pensé à moi et qui m'ont donc envoyé un gentil message sur Instagram. Et justement, bah, le match qu'on devait jouer ce week-end, c'était à Valence, il risque d'être reporté, ce qui veut dire que la grande reprise du Real devrait se faire contre le Milan en Champions League. Voilà, c'est normal et je pense même qu'il y aura un deuil national en Espagne. À l'heure actuelle, j'ai pas l'information, mais je pense qu'il y aura un deuil national en Espagne et que du coup, toute la journée de Liga pourrait être reportée. Affaire à suivre. Donc évidemment, on va commencer cette vidéo par le dossier Vinicius, puisque Florentino Pérez s'est senti agacé, et encore je pense que le mot agacé est gentil, même en colère, et a pointé du doigt des problèmes institutionnels avec l'UEFA comme raison. Bon, on n'est pas dupes, on avait évoqué les problèmes de racisme, puisqu'il y a très peu de noirs, il n'y a qu'un noir qui a gagné le Ballon d'Or dans l'histoire, c'est Georges Weah, et bah, évidemment des relations très froides avec l'UEFA, voire concurrentielles, puisque le Real voudrait faire partie de la prochaine Super League si elle se met à jour. Et Pablo Gallego, vous savez, qui gère le journal du Real, qui va bientôt passer sur la chaîne d'ailleurs, j'ai parlé longuement avec lui ces derniers jours pour évoquer le cas Vinicius, le cas du Real, etc. Il a sorti hier sur Twitter que Pérez prendrait la parole officiellement, normalement, lors de l'Assemblée des Socios qui aura lieu en novembre. D'ici là, la politique habituelle du Real veut qu'il fasse silence radio. Donc il faut s'attendre à du silence pendant les prochaines semaines, que Ancelotti botte en touche si on lui pose la question, et que ça soit Pérez, le boss finalement, qui prenne la parole en temps et en heure. Le Real Madrid, qui veut d'ailleurs améliorer le contrat de Vinicius, je pense qu'en fait ils ont peur de le perdre définitivement, alors que bah, c'est le meilleur joueur du monde. Donc ils l'ont déjà renouvelé très récemment. On sait que c'est pas tout à fait le meilleur salaire du vestiaire. Je vais juste augmenter un petit peu la hauteur du bureau parce que là je me sens un petit peu bas. Voilà, excusez-moi les amis, c'est bon. Et le club a déjà contacté les agents du Brésilien. Le Brésilien, quant à lui, voudrait attendre un petit peu. Voilà, il voudra attendre un petit peu. Je pense qu'il est touché par le geste du Real, sachant que au sein de la Casablanca, on dit qu'il a les mêmes privilèges et qu'il est autant protégé que Ronaldo à sa grande époque. Il y a même des personnes qui disent qu'il serait encore plus avantagé ou plus protégé que Ronaldo. Je ne peux pas vous dire. Ça, il faudra que je demande à la rigueur à Pablo lorsqu'il viendra sur la chaîne, puisque lui a travaillé du côté du Real. Mais ça serait assez ouf. De toute façon, bah, ça m'étonne pas. C'est quand même la superstar du Real aujourd'hui. On parle du Real de Vinicius, comme on parlait du Real de Ronaldo. Donc je suis à moitié étonné. Maintenant, il y a une question qui se pose et je voulais demander sur Twitter, sur Instagram. Pour moi, il y a deux scénarios. Soit il lâche complètement, parce qu'il est brésilien, parce qu'il est sensible, soit on a une version encore plus forte, comme Ronaldo l'a été lors de certaines, comment dirais-je, incohérences du Ballon d'Or, injustice du Ballon d'Or. Donc voilà, à voir. Moi, j'ai l'impression que la mentalité réelle fait qu'il va vite rebondir. D'ailleurs, le soir du Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il sera 10 fois plus fort pour aller chercher ce trophée là. D'ailleurs, parmi les sondages qui ont été proposés sur le futur vainqueur actuellement, il est en tête, mais c'est très serré et ça dépendra évidemment de la Ligue des Champions cette année. Haaland à surveiller de très très près. On entame donc le dossier de Tchouaméni. Bon, Tchouaméni, pourquoi je voulais en parler? Parce que vous savez, depuis qu'il est au Real, je suis assez sévère, sceptique sur lui, et à chaque fois sur les débriefs, bah, je le mets souvent dans mes flops, ce qui me vaut des attaques en disant que je ne suis plus du tout objectif, que je n'aime pas Tchouaméni, etc., etc. Comme je l'ai dit depuis longtemps, Tchouaméni est français, il est bordelais, il habitait à 10 km de chez moi, donc s'il y a bien un joueur que j'aurais dû chouchouter et ne pas être objectif, c'est bien lui.
Or, bah, vu que je suis objectif avec mon club, bah, moi je trouve que il n'a jamais remplacé réellement Casemiro. Il est en train de perdre un peu de pouvoir dans le club. On ne le considère plus comme intransférable comme il pouvait l'être, par exemple, la saison dernière. Le club préfère évidemment Camavinga, ça moi je l'ai toujours dit et les anciens pourront témoigner. Ancelotti a clairement vu que le niveau du français a baissé cette saison. Donc les dirigeants n'auraient plus confiance en lui, le considèrent perdu en défense. Et ça je vais pas l'attaquer pour le coup parce que il n'est pas défenseur, il a jamais joué défenseur. Donc tu veux bien bricoler mais bon c'est comme si tu mets, j'en sais rien moi, Vinicius défenseur central. Bon voilà. Et Ancelotti lui maintient quand même sa confiance. On prévoit d'écouter les offres en 2025, sachant qu'il était très demandé lors de son départ de Monaco par des clubs comme Liverpool, Arsenal, etc. Affaire à suivre, d'autant plus que, voilà, moi je vous le dis, j'utilise souvent ce terme, mais je le pense vraiment, je suis un peu un vieux con, je commence à devenir un vieux con, j'ai jamais digéré le départ de Casemiro. En fait, je pense que Casemiro, hormis Ronaldo évidemment qui est mon joueur préféré, et Kroos, parce que Kroos on s'y attendait un petit peu quand même, mais Casemiro ça a vraiment été le transfert qui m'a choqué et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en remettre parce que c'était un peu le poste que je jouais déjà 6-8 et c'était le profil qu'on avait besoin d'un mec qui sait parler aux arbitres parce que Casemiro travaillait les dossiers des arbitres pour savoir comment ils devaient leur parler, quels étaient leurs points forts, leurs points faibles, comme si c'était un membre de l'équipe adverse. Il savait se salir, il savait marquer. En fait, je le trouvais parfait. Et lorsque vous regardez d'ailleurs le milieu Kroos, Modric, Casemiro sur des courbes, en fait, ça comble toutes les parties, ce qui veut dire en somme que ce milieu était ultra complémentaire, parfait, d'où bah, les Ligues des Champions qu'on a remportées avec eux. Et le Real qui cible donc Rodri, pour eux, il est la solution au milieu. Carvajal avait dit, je le dis tous les jours à Rodri de venir signer au Real, on a besoin de lui. Effectivement, alors je dis pas ça parce qu'il vient de gagner le Ballon d'Or, parce que je l'ai dit, hein, moi j'ai rien contre lui du tout. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont insulté, je trouve ça naze de l'avoir insulté. C'est pas lui qui est responsable. Même s'il y a des vidéos qui sont sorties derrière qui m'ont un petit peu gonflé quand il chambre Vinicius avec son ballon d'or. Maintenant, oui, il coche toutes les cases. À quel niveau il va revenir après ses ligaments? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais c'est un joueur qui est ultra complet. Il a eu sa série d'invincibilité avec City. Il a gagné en équipe d'Espagne. Il a gagné avec City la Ligue des Champions. Il a marqué en finale d'ailleurs. Il est espagnol, on manque d'espagnol à Madrid et ça c'est important quand même aux yeux des socios, aux yeux de Florentino Pérez. Il est ballon d'or, on sait que Pérez, bah, il aime bien avoir quand même des gars qui sont potentiellement ballon d'or dans son effectif parce que ça fait vendre, c'est marketing, c'est premium. Ouais, mais après à quel prix? Est-ce que City voudra le vendre? C'est compliqué. Au Real Madrid, on adore le profil de Rodri, donc ça c'est Relevo, il serait la solution à tous les problèmes. Et ça je veux bien le croire parce que lui pour le coup il aurait ce rôle de créateur devant la défense, ce que faisait un peu Kroos, ce que faisait un peu Xabi Alonso avant, ce que ne fait pas Tchouaméni. Tchouaméni, je le dis, pour moi c'est un sénateur. Il va pas au contact, il va pas au duel, je le vois jamais s'arracher sur des sprints, je le vois jamais tacler. Certains me diront oui mais c'est pas son jeu, mais je m'en fiche. C'est le poste qui demande ça. C'est comme si tu demandes à un attaquant de pas sprinter. Bah, excuse-moi, le rôle d'un attaquant, c'est de faire des appels en profondeur, de se démarquer des défenseurs et donc, in fine, d'accélérer. Bah, lui, son rôle, c'est de se salir. S'il veut pas se salir, fallait pas qu'il joue ce poste-là. Et c'est ça qui me saoule un petit peu avec Tchouaméni. Et je pense que Rodri, alors lui, c'est un peu le Maldini du milieu de terrain, c'est-à-dire que lui, il a la faculté de pas spécialement tacler parce qu'il a toujours ce positionnement qui fait qu'il est toujours un coup d'avance par rapport à son adversaire. Et je pense que le Real ferait bien de l'acheter. Maintenant, est-ce qu'on aura les finances? Est-ce que City voudra l'acheter? Est-ce que lui voudra venir? Je rappelle qu'il est de Madrid. Il a joué à l'Atlético. Moi, ça me paraît être un dossier très, très compliqué. En termes de faisabilité, pour moi, ça dépasse pas le 3-4 sur 10. Parce que c'est trop compliqué pour moi, côté Real Madrid, de le faire venir. J'espère que le son va pas être pourri, parce que depuis tout à l'heure, j'étais en train de marcher sur le fil. Autre rumeur mercato, le Real considère Xabi Alonso comme le choix idéal. Bon, j'ai l'impression de vous sortir cette info très régulièrement. Et apparemment, le Real aurait peut-être dans l'idée
de le faire venir en 2025 et non pas en 2026. Le Bayer Leverkusen partage le même point de vue. Ils s'attendent à ce que l'Espagnol quitte le club. Ils ont rejeté des offres de Liverpool et du Bayern, ce qui laisse entrevoir la possibilité à ce que Xabi Alonso fasse son retour du côté de la capitale espagnole. Et enfin, dernière info, et elle n'est pas négligeable, ça j'avais quand même milité pour, c'est Jesús Fortea, ancien latéral, il me semble, de l'Atlético Madrid, vous me corrigerez si je me trompe, qui devrait monter des juvéniles. Donc juvéniles, c'est l'équipe de Arbeloa, en équipe première cette saison. Il a un fort potentiel, c'est un grand oui. Qu'est-ce que fait le Barça depuis qu'ils sont en crise financière? Ils font confiance aux jeunes. Hector Fort, comment il s'appelle en défense, Cubarsí, Gavi, tous ces mecs-là viennent des jeunes. Yamal. Pourquoi nous, on serait plus bêtes que les autres? Je veux dire, ok, on n'a peut-être pas la Masia, mais on a quand même créé plein de cracks depuis longtemps. Jesús Fortea, on dit en Espagne qu'il a un talent immense, mais t'as que Vasquez, Carvajal et Hot pour le reste de l'année. Tu n'as pas d'autre solution. Je n'ai pas envie de voir Militao jouer arrière droit, parce que ça voudrait dire sinon que Tchouaméni jouera central. Ce n'est pas possible. Donc, fais venir Fortea, teste-le jusqu'à janvier et tu vois s'il fait l'affaire ou pas. S'il fait l'affaire, il termine l'année en tant que remplaçant suppléant de Lucas Vasquez. Si tu vois que c'est encore trop vert, trop jeune, trop friable, à ce moment-là, tu te positionnes et tu vas chercher, et je ne l'ai pas mis, Alexander Arnold ou Pedro Porro, qui sont aujourd'hui, d'après Marca, As et Relevo, les deux cibles prioritaires du Real pour le poste de latéral droit. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, j'y mets des vidéos verticales, des sondages, des photos lifestyle, bref, un peu de tout. Donnez-moi votre avis, est-ce que vous êtes pour un départ d'Aurélien Tchouaméni et donc pour une arrivée, si possible, de Rodri, ou est-ce que non, vous faites confiance aux Français et vous pensez que l'Espagnol ne viendra pas quoi qu'il arrive? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo. Ce matin, on parle de Tchouaméni qui serait sur une chaise éjectable. Pourquoi on en parle dans cette vidéo? On va réagir à notre cher Thomas, que je vous invite à aller checker sa chaîne. Très 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 grand youtubeur madrilène. Tchouaméni, que dit de Tchouaméni? Tchouaméni est arrivé en grande pompe. On peut dire quoi? Il y a déjà 3 ans. D'arriver à Madrid pour remplacer poste pour poste un Casemiro qui était, on peut dire, je sais pas si je dirais son prime, mais Casemiro n'était pas encore en chute comme maintenant on le voit, on peut le voir à Manchester United, même si je persiste à croire que il n'est pas utilisé à son meilleur niveau dans ce club là. Donc Tchouaméni donc qui se retrouve sur la chaise éjectable parce que il n'a pas réussi à remplir le rôle de Casemiro. Casemiro qui était vieillissant mais qui pouvait facile encore apporter 2 voire 3 ans au très haut niveau au Real Madrid, parce que Casemiro lui il savait apporter ce petit vice, faire la faute quand il fallait, il savait apporter la stabilité, il connaissait les arbitres, il savait que tel arbitre était plus sensible à telle ou telle faute, donc du coup il prenait la nuit pendant que les autres dormaient à étudier les arbitres, à étudier les statistiques. Et il s'en servait durant le match. Ça, c'était une intelligence incroyable. Donc, du coup, Casemiro manque cruellement au Real Madrid. Bon, c'est vrai, depuis son départ, il y a eu une Champions League remportée. Donc, il manque peut-être pas tant que ça. Mais le problème, c'est que dans une année comme celle-ci, où il y a de la peine à créer du jeu, où il y a de la peine à avoir de la stabilité, au milieu de terrain, on se retourne donc pour regarder d'où vient la faute. Et on se rend compte que l'un des fautifs, ou même le fautif, c'est Tchouaméni. Tchouaméni qui... certes, est un très bon stopper, on ne va pas se mentir. Tchouaméni, il peut même être un très bon défenseur. Mais le véritable problème, c'est qu'il a de la peine à apporter de la stabilité dans la relance. Il a de la peine à être confiant lorsqu'il faut repartir vers l'avant de manière un peu axiale, de manière un peu rectiligne. Il a vraiment ce mal-là et souvent il hésite. Il hésite, Tchouaméni. Il hésite à faire la relance, Lévis a envoyé de longs ballons, peut-être parce qu'il craint une contre-attaque de l'adversaire et tout. Donc, il n'a pas vraiment de confiance à ce niveau-là. Et ça se voit parce que justement, Kroos est parti. Et Kroos, lui, savait stabiliser le truc. Tchouaméni récupère le ballon, il envoie la passe à Kroos. Kroos, lui, faisait le jeu. Maintenant que Toni Kroos n'est plus là, comment tu fais? Tu es obligé
tu es obligé de chercher maintenant des joueurs créateurs, un milieu créateur à la Rodri qui va faire le jeu, qui va non seulement stopper, mais aussi faire des bonnes relances, des passes longues, des bonnes passes courtes et tout ce que Tchouaméni n'arrive pas à faire. Donc ne soyez pas surpris si d'ici quelques semaines, vous entendez que Tchouaméni est malheureusement parti, parce que je crois que Rodri, comme il est clinquant, il est Ballon d'Or, il est espagnol. Donc du coup, il connaît le jeu de Madrid, du moins le jeu de la Liga. Il a déjà joué à Atlético de Madrid, donc c'est le candidat idéal à ce poste-là. Donc ne soyez pas surpris que Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, fasse ses bagages et s'en aille pour où. Je ne sais pas si ça sera un troc poste pour poste avec Manchester City, mais j'en doute. Et je doute également de je doute un peu de l'arrivée d'un Rodri du côté de Madrid, parce que pour l'instant il est bien à City, il est bien, il n'a pas de problème, il n'a pas de pression, il a la confiance du coach, il a la confiance il a la confiance du staff là, il a l'amour des supporters. Donc du coup le mec il pourra quand même s'intégrer dans ce 11 matériel, mais je pense pas vraiment qu'il pourra quitter aussitôt Manchester City, surtout si Pep reste, parce que Pep compte énormément sur lui. Il y a cette colonne vertébrale des vertébrales là, Ederson Moraes. Tu mets encore Rodri, puis tu mets Kevin De Bruyne. Il y a cette colonne vertébrale là que Pep aime énormément, donc je ne vois pas l'un de ces trois joueurs s'en aller. Des joueurs encore comme Haaland peuvent partir, parce que bon, ce n'est qu'un finisseur, même s'il marque beaucoup de buts, et tu le remplaces poste pour poste, ça va le faire, parce que c'est une équipe qui joue vraiment portée vers l'avant, c'est une équipe qui est vraiment très offensive, qui tient le ballon. Donc, mais pour tenir le ballon, justement, il lui faut ce Rodri, il lui faut ce Kevin De Bruyne. Donc je ne vois pas vraiment Pep se séparer de Rodri de sitôt. Mais qui sait, dans le football, tout peut arriver. Mais restez connectés, abonnez-vous, c'est pas encore fait. Je vous tiens au courant et au jus de cette actualité à venir sur ce bon vieux Tchouaméni. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Désolé s'il y a un petit coup de mou à certains moments, c'est que j'ai reçu un message là, pas très joyeux, mais c'est pas grave. Merci pour ton soutien. Merci de regarder la vidéo. Et on se voit tout à l'heure pour une autre vidéo concernant Vinicius qui pourrait partir du côté de l'Arabie Saoudite. Allez, prends soin de toi. Ciao.